Salut les amis, salut Elodie. Salut Mickaël. Est-ce que tu sais jouer, est-ce que vous connaissez, enfin tout le monde, est-ce que toi Elodie, tu connais Pierre, Feuille, Ciseaux ou Shifumi hein? Oui, bien sûr. Donc Pierre, Feuille, Ciseaux. Oui. Ok, t'es prête? Allez. On essaie juste une manche. Je suis prête. 1, 2, 3. Ça commence. Le ciseau coupe la feuille. Je suis complètement imbattable à ce jeu. J'ai pas d'excuses, rien de plus simple pour moi, parce que voilà, avec contrôle, vous allez pouvoir présenter une petite expérience apparemment de jeu comme ceci, pierre, feuille, ciseaux. Bien entendu, en croisant les doigts, le spectateur ne gagnera jamais. C'est triste, hein? Bah oui, forcément. Alors je suis presque sûr, à tel point que je mets 50 euros en jeu. D'accord. Ce que je veux dire, c'est que si tu gagnes, le billet de 50 est à toi. Ah bah super, okay. Écoute. On va le faire sur 3 points. D'accord. Si tu as le plus de points que moi, tu gagnes. 3-0, tu gagnes. 2-1, tu gagnes. Match nul, le billet, je le garde. Ok. D'accord. Le billet de 50, il est sur la table, il est quasiment à toi, Elodie. On va utiliser pierre, feuille, ciseaux. Donc, on n'a pas besoin de toutes les cartes. Hein. Vous vous souvenez, donc, c'est les cartes de contrôle. Voilà, comme ceci. On va juste utiliser 4 cartes. Comme l'autre jour, il y a une gommette. Tu peux toucher, Elodie? Il y a bien une gommette. Oui. Sur chaque carte, ici. Tu as déjà joué, toi, à pierre, feuille, ciseaux? Oui, bien sûr. Ok. Alors, on va dessiner. Alors, je suis pas très très fort en dessin. Je vais mettre là, comme ça. Ça, c'est... La pierre. La pierre. Hop. La feuille. La feuille. Il est pas mal, le ciseau, dis donc. Ciseau. Pierre, feuille, ciseau. Alors, inutile de te rappeler les règles. Hein. Le ciseau se casse sur la pierre. La feuille, le ciseau coupe la pierre. Le ciseau coupe la feuille. La feuille recouvre la pierre, etc. etc. C'est un jeu enfantin. Tiens, je vais réaliser... Je vais d'abord sortir les cartes. Je vais réaliser mes 3 petits dessins d'avance. Mes 3 coups d'avance. D'accord. Okay. Au moins, il n'y a pas d'ambiguïté. Je ne peux pas les changer, je dessine à l'avance. Tu as déjà joué, toi, à pierre, feuille, ciseaux? Bah oui, bien sûr. Alors, on dit que ça peut être Shifumi. Mm-hmm. Hein, Shifumi. Hop, premier dessin. Attention, je joue 50 euros. Hein. Ah bah, j'espère gagner, surtout. Pierre, feuille, ciseaux, et il y en a qui rajoutent le puits. Bon. Oui, mais c'est moins bien. Ok, pierre, feuille, ciseaux. Ok. J'ai fait mes 3 premiers, mes trois dessins. Je vais même les mélanger, comme ça, même moi, je ne sais plus. On va laisser un petit peu la chance faire. Sur la première carte, Elodie, sur la première carte, je vais dessiner, par exemple, la pierre. D'accord. D'accord. Voilà. Est-ce qu'elle est bien? Pas mal. C'est une belle pierre. On dirait un bonhomme qui a le sourire, c'est rigolo. C'est vrai? Ok. Dans quelle pochette tu veux que je mette la pierre? La première pochette. T'es sûr? Oui. Si tu veux changer, tu peux changer. Non, je fais confiance à mon destin. Deuxième dessin, on va dessiner. Le ciseau. Ok. Les ciseaux. La paire de ciseaux. Dans quelle pochette? La dernière pochette ici. La dernière pochette. Et enfin, ici, sur la dernière carte, on va dessiner le dernier dessin qui manque, à savoir... La feuille. La feuille. La feuille dans quelle pochette? La pochette du milieu. Alors, est-ce que tu veux changer? Attention, il y a 50 euros à gagner. Hein. Non, je ne veux pas changer. On dit toujours que la première intuition est la bonne. Pas bête. Alors, pierre, feuille, ciseaux, moi j'ai dessiné avant, forcément, mes dessins. Est-ce que je vais gagner 50 euros? Est-ce que tu vas gagner 50 euros? Est-ce que je vais les perdre? On va vérifier. Dans la pochette où tu as mis le ciseau, tout simplement, moi, au dos, j'avais dessiné la pierre. Ça commence. Le ciseau se casse sur la pierre. Un point pour moi, Elodie. Mmh. Dans la pochette où tu as mis la feuille, j'avais dessiné le ciseau. Oh, bah voilà. Le ciseau coupe la feuille. Inutile de te montrer qu'au dos de la pierre, j'avais bien dessiné la feuille. La feuille recouvre la pierre. Elodie, c'est ce qu'on appelle un 3-0 pour moi. Voilà. 3-0, comme ceci. Malheureusement, le billet de 50 euros, bah, je vais le garder. Les amis, c'est une idée, une bêtise que j'adore, franchement. Vous pouvez le faire avec contrôle. Contrôle qui arrive bientôt partout en France. On a énormément de demandes. Mais vous pouvez réserver et commander votre exemplaire dès maintenant sur notre site internet www.contrôle.com.
gimmickmagic.com. Salut les amis, n'hésitez pas à partager, à liker, à en discuter sur les forums, ça s'appelle Contrôle, c'est tout nouveau, et croyez-moi la méthode, vous allez être vraiment bluffés. Ciao ciao les amis. Salut Elodie. Salut Mickaël.